m'a fait travail à Renio. Travail moi, c'est travail de sermite. Travail moi, c'est travail de Renan. Pas gagne rien de sermite pas qu'à faire. Pas gagne rien Renan de Renan pas qu'à faire. Garde un petit de sermite. Garde un petit de sermite. N'a travail à de sermite à peine. Hey, nous mêlons dans le pays ici là. Quelques jours après célébration fête Notre-Dame perpétuelle secours sous Belen en Port-au-Prince, eh bien, la paix retourne dans zone ça après groupe rival yo fin passé plusieurs années à troquer con yo. Gessa a été paralysé presque toute activité dans zone là d'après quelques habitants qui saliaient Gessa qui dit ça pral permettre zone là reprendre camp figil. Bien bonnet dans matin dimanche de hier. La police dans ville Gonaïve mené une opération sous route Bienac côté yon civil qui n'ont pas arrivé identifié qui était qu'on participait dans mauvais actes selon divers habitants dans zone là bois de l'eau bouche li. Eh bien individu ça qui qu'on a braqué moun sur route Bienac chaque soir toujours dans cadre opération ça agent force l'audio rivé poser la patte sous Jean-Louis Basnel sous Ténèvre côté il était déjà recevoir yon cartouche dans pied gauche pendant l'étape tenter sauver la police déposer la patte sous lui ensemble avec un fausse arme calibre 9 mm dans moment m'a parlé ensemble avec ou là c'est que la prend soin sous cabane l'hôpital dirigeant émergence patriotique René Civil fait qu'on est rencontre secrétaire général Nations Unies ensemble avec acte haïtien yo c'est pour faire temps passer c'est une façon pour dialogue caricom nan nan pays Jamaïque jouer une bénédiction département d'état qui donc d'après René Civil acte national et international yo pas de volonté vraiment pour résoudre crise pays d'Haïti premier ministre Ariel Henry quitte pays a lundi 3 juillet 2023 pour rendre nan pays Trinidad pour la participer dans 45e réunion régulière chef l'état ak gouvernement caricom yo soti 3 pour arriver 5 juillet 2023 c'est ministre économie ak finance Michel Patrick Boisvert qui a joué rôle premier ministre en absence Ariel Henry mesdames mademoiselles et messieurs d'Antigouave jeune garçon 16 l'année a joint libération nommé commissaire Elliot Pierre après elle était fin sibi bisexuel en bas main Simplice Walmet, eh bien, après libération, victime n'a pas parlé dans micro la presse. Bienvenue dans le journal Tout Haïtien Connecté, c'est Foucault Zami InfoPower qui a présenté l'édition ça. Quelques jours après célébration fête Notre-Dame perpétuelle secours sous Belen en Port-au-Prince, la paix retourne dans zone ça. Après plusieurs groupes rival te fin passé plusieurs années à toke konyo, Gessa te paralysé presque toute activité dans zone là d'après quelques habitants qui saliaient Gessa qui dit ça pral permettre zone là reprendre escamp figil. An koute yo nan micro tak 509. Liberté et lim besoin dans pays ya. Comme libre, ça y est, c'est mieux. M'badoué gen limite. M'doué marcher côté m'vle, m'entrer l'emble, l'em petit moun, m'entrer l'emble, m'sorti l'emble. Ou jounen jodi à la, nan moment, ou gon l'or ka marche, ou gon l'or pa ka marche. Ou sent tout trincé, pays a pas dit ça. Moi même besoin, m'ka géré tête moi. Depuis gen ou ka marche, ou levé l'or vle. Ou jounen jodi à moi même, yo di m'gon la paix. Moi m'vle, fok moi ouais avec j'aim. Moi ouais. On petit commencement mais le coco bon parce que contre campé là et pas ville pas dans ça c'est enseignant dans une dans l'école municipale nous dans communal Saint-Martin ça fait 5 ans moi réussi sur 30 dans l'école là c'est un bagage qui fait que me content pile moun belé réuni là après 5 ans et comme si son 1er janvier comment qui ça qui la cause si différent youna clote mais m'a tout voyé un appel bay tout moun belé tout moun ki en haut moun ki en bas di yo réconciliation faut toujours être campé parce que si moun nan zone là qui ont commencé ouvert là l'école là septembre là n'attend tout si moun nan communal là parce que ouais pas l'école après ouvert encore là donc m'a dit nous même journalistes fait message à passer pour nous dire grand moun belé yo ti moun belé yo on essayer mettre connaissance avec connaissance la vie possible et depuis gain la vie possible pays possible. Depuis pays possible, le monde a connu nous. Nous avons un cas international. Depuis ce si nous avons joué pour nous, nous avons joué ici. Où est-ce que tu as football là? Belle, qui a joué pour nous, qui a joué pour nous, qui a joué pour nous, qui a joué Facebook. Tout autant, nous avons joué pour nous. Puis nous avons views.
et yo pou fè green goal là. Si yo tout te mette yon ensemble green pass, yo pile goal pou fè ou pa fè, mais ça crive là avec union ça là, nous dit belle impossible, vive belle. Son bagage nous t'a assoiffé parce que n'a vive, une situation n'a pas d'habitude vivre. Belle gè 24 quartiers, 24 quartiers c'était 24 petites, nous t'ai yon seul. Nous t'ai rete konsa nous divisé, nous pa jam konn raison pou nous divisé. Jodi a, on croit que gen grand qui prend conscience, yo wè façon que n'a vive là belle est fini pour fon entente. Pour unifier Belè, pour faire venir au ciel, gens que nous tenions ensemble, nous avons vécu, les gens en bas, monter, les gens en haut, descendre, sans aucun problème. Je pense que c'est une belle initiative que j'ai pour nous-mêmes, qui vivons dans Belè. Moi-même, je ne vais pas me quitter, moi, je suis résident de Belè, mais toute guerre, moi, j'ai toujours résisté, j'ai toujours qu'un but. Je ne suis pas victime, grâce à Dieu. Parce que si on ciel nous tenions, j'étais toujours vivant en bas, j'étais toujours vivant en haut. Mais le dernier moment qui arrivait, je me suis choisi vivre en haut parce que je suis vivant en haut plus qu'en bas. Même pas de aucune difficulté avec Pep en bas. Moi-même, pas de difficulté avec Pep en bas. Malgré que j'ai tiré, j'ai gagné mon amour, j'ai fait apprendre. Et nous, belle la zone de tourner et deux heures. Je me suis souhaité que l'État prenne responsabilité, mette ensemble avec Pep là pour que les fonds nettoyaient normalement et pour ta circulation machine, mon à pied, mon. Qui ont fait business pour marcher, pour faire business normalement. C'est son bagage qui est possible parce que son conscience qui prend. Et c'est mon bagage qui fait comme ça, parce que nous pensons dans l'événement perpétuel là, et qu'on pas qu'il y a un miracle qui te fait paix à te parler, et puis maman perpétuel t'a ouvert une barrière sans que personne ne te touche, sur ma cajou, et elle t'a dit, c'était la dernière année, pour en bas monter, pour en haut descendre. Et puis ça va prendre un jour, ça arrive fait. On pense que c'est son travail qui a continué. Nous pas peur et je pense que ça n'a pas prêté comme ça parce que y a quelques dialogues qui viennent pour faire entre responsables et que le gouvernement, que les gens qui ont commencé la bataille là, ils ont gagné pour parler, pour prendre conscience entre eux et pour entrer ensemble. Ce sont la paix qui fait, nous pas attendre, les fait bruit de secours, pas gagner un dialogue qui était fait pour tirer les journalistes, pour parler, pour dire que nous gagnons une entente que pour nous faire pour Belè à Belè, pour nous unifier, non, pour nous faire un ciel, ils ont pris disposition entre eux. Avec Samba qu'on est toujours, il y a un peu mais il y a un dialogue qui vous fait parce qu'il y a un nettoyage qui vous fait, il y a un peu de temps. C'est gros causé. Il y a un responsable de la commune dans la commune Cabaret, Chrysler, Telusma. Mande population dans la commune pour lever campé, pour exiger l'État mette sécurité dans la commune. Li exige en même temps, eh bien, pour toute activité reprendre sur route nationale numéro 1 qui bloquait depuis plus passé 2 mois après neg exam te fait gros désordre dans la localité sous matla. Pour plus de détails, en outant de Pascal Fleuristil depuis Akaye. Depuis plus que 2 mois, commune Cabaret tombée en bas ben bandi qui la cause activité yo paralysée. Devant situation compliquée ça, responsable doazimen nan commune nan Chrysler Telusma mandé population à lever campé parce que situation ça pas ka continuer. Li lancé yon opération pour 10 juillet kap vini an, yon façon pour mettre bandi deyò nan ville là. Responsable doazimen di sentil vexé après massacre sous mat la, route nationale la bloqué complètement et puis pas gen rien qui fait pour moun yo tourner la caillou ni pour mettre sécurité en pile ti machin victime sac d'api en bandi sous la mer côté yo prend tout ça au gain et puis yo violer mesdames yo dans sens ça Chrysler Telusma mandé autorité yo qui ça a fait ak moun Cabaret li mandé Ariel Henry pour brancher sous situation qu'a développé sur route là pour bailler une réponse proportionnelle à ça qu'a passé Cabaret parce que Cabaret pas gain autorité pour adresser problème yo gain opération qui baptisé libérer Cabaret cap rivé 16 juillet cap venir dans occasion fête patronale ville là en pile mouvement pral fait devant bureau l'état yo pour dire l'état prend responsabilité yo et puis mettez bandi yo dehors dans commune là depuis arrondissement Akaye. Pascal Fleuristil pour TAC 509. Merci Pascal. Premier ministre Ariel Henry quitte pays lundi 3 juillet 2023 pour rentrer dans le pays Trinidad pour aller participer dans la 45e réunion régulière chef l'État à gouvernement CARICOM yo sorti 3 pour arriver 5 juillet 2023. C'est ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert qui tape jouer cap gain pour jouer rôle premier ministre en absence premier ministre Ariel Henry. Bon. Qui était là, qui était pas là. Ça pas déranger la société. Ça pas déranger le pays. Gayé Moïse Jean-Charles qui t'a participé dans
24e édition Coupe Moïse Jean-Charles qui dénonçait responsable dans Banque Centrale cap jouet coquin qui fait quoi yo pirater Banque Centrale. L'idée petite Dessalines n'a démenti information ça qui fait qu'on est gouvernement et bien c'est ensemble avec secteur privé, a yo mette ensemble pour prêter dollars peuple là, acheter gaz pour faire business, etc. Li lance yon appel by population pour pas sortir dans banque yo, pour pas sortir dans banque yo, là yon de l'argent. Pendant l'annonce yon mouvement mobilisation contre gouvernement Ariel Henry, eh bien qui fin craser tout pays ya, qui rend population ap souffri. Pour plus de détails, on nous coûte Moïse Jean-Charles. Mais en dehors de football, il y a politique tout. Parce que là, il y a full monde ça qui réunit en côté. Là, il y a un volume journaliste ça qui réunit en côté. Moi, je suis le présent. Nous ne pouvons pas rater l'occasion pour ne pas parler avec le pays, avec le monde. Peuple haïtien, ni ça qui est dans le pays, ni ça qui est à l'extérieur du pays. Après-midi, 2 juillet 2023, nous voulons parler avec le pays. Nous voulons dire pays, situation à vivre aujourd'hui, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter ça, peuple haïtien. Imaginez, un monde qui vient comme la banque, la fait business, il dépose un cobli là, mais c'est banque, là il cherche un cobli pour renouveler le stock, il pas un cobli. Un monde qui est malade, qui presque mourit, qui besoin de cobli, là il cherche un cobli là, mais c'est banque, il dit pas un cobli. Quand est-ce que vous avez Banque Centrale a fait un jouet de coquin, là il dit, il a piraté Banque Centrale, alors que nous ne connaissons pas vrai, peuple haïtien. Raison, c'est parce que l'État, gouvernement, lui prête comme nous pour acheter gaz. Deuxièmement, messieurs élite économique, yo, yo prend l'argent nous, yo prête grand avec pareil yo pour acheter bateau de riz, bateau farine, bateau tol, bateau fer, tout en pas vendre pareil ça yo. Nous pas jouer comme nous. Par conséquent, mandez-nous les entrent dans banque yo, tout en pas nous l'argent nous, pas sorti, rete, relomwe jusqu'à ce que yo ba nou l'argent nou. Peuple haïtien, si m'ta pose question, quand de l'argent moun yo fait, nous pa konnen. Pays pa ka gen moun là-dedans pour accepter situation ça. Deuxièmement, peuple haïtien, nous pa gen parlement n'a payé. Ça veut dire nous pa gen parlementaire n'a payé. Nous pa gen président n'a payé qui gon parle national, kap dépenser l'argent. Malheureusement, l'État haïtien fait un déficit budgétaire qui est évalué à 80 milliards de gourdes. Peuple haïtien, si m'ta mandé côté l'argent ça passé, pas gen moun ki konnen. Gouvernement ça obligé dit côté l'argent passé. Si Banque Centrale après te fin parler non station capitale là, moi Banque Centrale c'est ton autre dehors. N'a dit Banque Centrale note qu'elle mette dehors, c'est pourquoi ça. Li pas dit côté l'argent ou fait, li pas dit ça passé exactement en dans Banque Centrale. Par conséquent, pour l'argent moun yo pa ka joine. Pour l'argent qui disparaît dans la Banque Centrale, nous pourrons reprendre la mobilisation en tant que pays. En plus, nous considérons que nous avons 2 ans nous passer en tant que pays sans pas un président. Nous avons un premier ministre de facto, le président, le premier ministre, le pas de la sécurité, le pas de la paix, le pas de la CEP. Eh bien, pendant ce temps, nous avons tué le monde. Si nous ne prenons pas la responsabilité comme monde, comme dirigeant, nous pourrons mourir. En bas grand goût, en bas insécurité, pas gagner qu'à fait avec un gouvernement de facto. Nous pas arrêter pour nous garder un irresponsable. Ariel Henry, avec équipe liant qui prend tête payant, yon pas jamais faire élection. Guerrier, nous pas le faire. Dès demain, nous pas annoncer dans la semaine qui vient, tête mobilisation pour le reprendre en tant que pays. À la traque, papa, son dirigeant mobilisation. Mais moi, qui l'a fait mobiliser le peuple pour nous planter? Comme étant donné, nous mettons l'argent dans la banque, nous prenons l'argent, nous achetons gaz, nous prenons l'argent, nous prêtons gros nek pour acheter bateau de riz, bateau farine, on paye à café blé. Nous sommes capables de farine, n'est-ce pas, moi? Vale la tibonite, kabaye de riz. Eh bien, kounya là, l'argent, ça, nous te kon mette dans la banque, on fait mobilisation, on prend l'argent et puis, pour nous planter la terre. Comme ça, mais si vous n'avez pas besoin de l'argent nous encore, vous avez fait nous souffrir sous lui. Nous avons aimé qu'on ait qu'il y ait une mobilisation comme ça à faire dans le pays d'Haïti. Nous avons notre tête mobilisation un peu pas ici.
Ancien sénateur Noah qui t'a réagi sous visite secrétaire général Nations Unies dans le pays d'Haïti fait connaître dans la presse. Eh bien, c'est là l'apprendre que secrétaire en Haïti qui donc n'a pas invité dans la rencontre, li accusé Nations Unies qui mettait pays à dans situation difficile, li trouvait le jour et jodia, li rappelait c'est eux-mêmes qui t'ont nommé Ariel Henry dans tête gouvernement d'après li Antonio Guterres, c'est plaisir li t'a venir prendre dans pays d'Haïti. On écoute Moïse Jean-Charles pour une deuxième fois dans micro TAC 609. C'est dans la radio ma prendre nouvelle là, même si on t'invite nous. Yo t'invite nous, mais là m'garde Nations Unies. Nations Unies, c'est lui qui même ban nous gouvernement ça qui là. C'est yo qui mette nous dans ça. Que les Américains, que les Canadiens, que Nations Unies, que OEA, c'est yo qui mette nous dans ça. À la côté bay pays, hein? À la pays, bah, il n'y a aucun papa, c'est pays d'Haïti. Bon, n'en joue pas, si on se nous t'a dit, blanc, viens prendre président, non? Les États-Unis, viens prendre président, non, nous pas capable encore. Nous finissons votre président, après ça nous dit, blanc, viens prendre président, là. C'est pour, président, c'est pour international, là. C'est international, là, Cap Corel. International, là, viens prendre président, non? Sous remel plus passé, nous en tant que haïtiens, vin prendre président là nous pas besoin. Là tellement comprendre nous et puis là on l'autre dans collecte nous. Bah. C'est triste l'autre dans sénateur cap dou oui et l'international qui te mette intéressé, c'est tellement nous pas prendre responsabilité nous, c'est tellement toute la cette journée, cette si passe-coute, cette transition et c'est voyer aller nous bail président 100 jours etc. International a tellement compris nous et puis qu'on a dit m'a fait nous quitter. Un jour passé, c'est pas nous qui t'a dit faut président aller, faut gros gouvernement de transition. Eh bien, nous manger président entre nous. Et puis qu'on a là, on l'a gon pique en coin dans conseil nous. C'est pas monde qui ban nous problème yo, qui ca venir résoudre pour nous. Mm-hmm. Pour moi-même, monsieur Guterres, son nèg qui t'a venir manger poisson en Haïti, qui t'a venir bien en plage. Nous-mêmes, nous dit li pas bienvenu sous sol, papa de Saline. Non, c'est ça que fait. Dans l'occasion, ouverture championnat, Coupe Moïse Jean-Charles, nous avons 24 ans depuis notre championnat. Ça, nous déclarons mobilisation pour le reprendre en tant que pays. Parce que même si nous, Ariel Henry, a fait 6 miracles, la BTC EP, ce n'est pas vrai. Même si nous, la parler pas occupé. Même si nous, Blanc a venu ici, pas occupé. Qui donc, c'est nous-mêmes, peuple haïtien, qui pour prendre responsabilité nous pour nous démasquer ni blanc ni haïtien qui mettent nous dans le travail sans nier aujourd'hui. Moi, dans la mobilisation pour répondre dans tous les quatre pays et moi, pour voir, moi, la bourgeoisie, ambassadeur, je mettais quelques journalistes pour déstabiliser nous. Mais les haïtiens plus forts, ils ne sont pas capables. Surtout, le système n'a fini. Regardez qui qualité de monde qui parle pour le système. Les haïtiens, je vous fais pas tomber dans l'eau. Ce n'est pas Jules Plonger, nous déterminer tout bon vrai, cette fois-ci, pour nous démasquer le gouvernement de facto qu'il a dans notre pays. Voilà, où t'attends des réactions, Moïse Jean-Charles, mesdames, mademoiselles et messieurs. Dirigeant émergence patriotique là, qui c'est René Civil, fait qu'on est rencontre secrétaire général Nations Unies, ensemble avec acteurs haïtiens, yo, c'est pour faire temps passer. C'est une façon pour dialogue CARICOM dans le pays Jamaïque, joindre bénédiction département d'État. Bon, un département d'État avec CARICOM, qui est-ce qui bureau? Qui donc, d'après René Civil, acte national et international, il n'y a pas de volonté pour résoudre la crise là. En coutel, dans le micro, TAC 609. Chaque jour, il y a bataille pour y faire temps passer. Si vous voulez résoudre la crise du pays, 1 plus 1 plus 2 plus 3 sans passer par 4 chemins, solution à ta vie. Parce que en plus, tout acteur qui est sous terrain, c'est des acteurs qui sont connectés avec la communauté internationale. Ils travaillent pour eux. Et toute décision à prendre, ils prennent avec eux. Toute rencontre qu'ils ont fait, ils ne pas mêler, ils font avec eux. Ça veut dire que la crise là, c'est des acteurs nationaux qui d'accord pour Haïti janvier avec des acteurs internationaux qui ont une programmation pour Haïti. Qui donc, vini visite Guterres là, c'est pour couvrir ça qui est fait dans CARICOM. Parce qu'il semblerait, rencontre qui est faite dans CARICOM, pas de gain bénédiction du département d'État. Le fait qu'il n'y a pas de gain bénédiction du département d'État, avant une réunion qui est faite dans Bahamas,
ouais, ils prennent tout le monde, ils mettent dans l'avion, ils dorment ensemble, ils mangent ensemble, ils dansent ensemble, et puis ils prennent une décision pour Haïti. Ils ont divisé. Qui donc, je dis, ils ont retiré les bagages là-dedans, car comme vous voyez, ils ont monté encore dans les Nations Unies. Pour faire 10 ans passer, on ne peut pas espérer rien, parce que ça vous tire à ce vin dit. Les vins dit faut que et là j'y consens jusqu'au 21 décembre non. Les vins dit ensuite, on n'a pas besoin de parler des présidents, c'est pas bien président. Ils ont besoin d'entendre pour qu'ils aient une élection faite pour retourner le pays à la normalité constitutionnelle. Puis ils sont capables de mener en force dans le pays bien peut-être, si vous avez voulu faire déjà, pour regarder comment arranger la sécurité. Mais la sécurité est programmée par les États-Unis, par les Nations Unies. Et nous sommes des dames qui étaient responsables des Nations Unies en Haïti. Ils étaient participés dans la Fédération Gagnon. Qui donc, en un mot, ça qui va nous regret et ça qui domine nous, c'est le fait que nous sommes soi-disant leaders nous. Moun ki nan société civile nou gen yo, moun ki nan secteur privé des affaires yo, inconscient. Nou inconscient, y oublié ki blanc pa fè rien pou yo, y oublié yo pa aucun l'autre côté pou y al vivre, y oublié même si petite madame zami l'autre bord, toute famille yo pa ka l'autre bord, Haïti a pour l'enfer, y a victime la nan quand même. À la traka pou la vie Haïti. Nan Tigouave, jeune garçon 16 l'année, Nairobi joint libération, nommé commissaire Elliot Pierre, après elle te fin sibi abisexuel, en bas main Simplice Rolmet, après libération, victime nan te parlé nan micro, radio préférence FM, pour plus de détails, à nous tadil. Libéré, j'en bas la dé avec avocat m'tou, parce qu'elle va s'en bel nous avec depuis mercredi, la plein pour moi. Ma petite avocat, merci en bel parce que j'ai choisi de me libérer. Comme je dis, c'est un grand jeu de qui dimanche 2 juillet, la gué ma petite merci en bel comme pour la population en taille de m'tou pour m'ka faire pour m'se kapé m'de dommage m'am. Ça fait vous, besoin de dommage m'di? Oui. Ça fait vous. Juste, je suis créé au Fouman Kob, il était dit que mal en relation avec elle, il n'a pas payé, il a entré la calme de ses téléphones, il a fait la police arrêter. Mais j'en ai ça. Est-ce que vous pensez que son vérité en bail? Oui, les vérités. Quoi de téléphone là? Téléphone dans un plan. Téléphone dans un plan? Oui, c'est dans un plan. Des ressources. Qu'est-ce que tu as dans le plan? Moi-même. Combien de billets tu as dans le plan? C'est de la banque $500, mais le téléphone dans le plan pour $400. Vous avez fait ça avec? Oui. Comment avocat là tu es en contre? Comment tu fais avec un avocat? Bon, je sais pas ce qui me dans l'hôpital là, pour nous la même. Pendant l'hôpital là, comme ça, mon autre est extrêmement grave. Quand mon autre déjà fait un avocat, vraiment vrai, il m'a dit que je ensemble avec monsieur, mon jeune avocat. Comment monsieur arrive? Monsieur le Wisney Ayo. Comment il est connu? Il dit que j'ai une infection, une hémorragie. Non, il dit que je suis à l'hôpital, je suis une infection. Tu es à l'hôpital? Tu comprends un médicament? Non, je ne comprends pas un médicament. Non. Okay. Avocat pour pas nous voir à l'hôpital? Oui. Qui sont mandés pour nous là? Bon, juste, besoin de mal à l'hôpital, mal prendre soin de tête, moi et bien après, si mon bagage est fait. Si mon bagage est fait, nous avons fait ensemble avec monsieur. Qui sont besoin? Comment des réparations? Ça paye des dommages. Des dommages? Oui. Est-ce que vous allez entendre ensemble avec monsieur? Bon, juste, monsieur va te entendre ensemble avec monsieur, tu veux dans la prison pour te mettre. Je te dis, je vais le téléphone là pour ça, fini pour le capé, je sais que ça doit y avoir. Monsieur va aller dans la prison pour le mettre. Je vais évoluer avec. Et l'ing met dans le bagage ça? Oui, il me dit. Est-ce que s'il te fait le vrai, t'as pas l'aise de venir en prison? Comment s'il te fait à l'aise? Est-ce que s'il te fait le vrai? Est-ce que vous pensez que s'il te fait le vrai, t'as accepté et l'a l'aise de venir en prison? Il fait le papier médical là-bas, il fait lui. Qui joue le fait? Bon, je vais rappeler. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pour vous avoir la relation avec elle? Bon, juste, je suis obligé de faire la fête déjà. Je suis obligé de faire la fête déjà. Bon, fête déjà, pour ça, je vais faire déjà. Combien vous avez la relation avec elle? Plusieurs fois. À la traque pour la fécalité, papa, moi, si fait déjà, à quoi bon? Hein? À quoi bon pour l'autre? Si bah, elle a déjà et bouchon fol boca. Si bouchon fol boca, à quoi bon pour l'autre? Eh bien, peuple haïtien, après libération, individu ça, gagné avocat ensemble avec commissaire, là, qui te parlé dans micro la presse, moi, invité ou attendez. Mm-hmm. Ah oui, moi je suis avocat. Donc nous estimons que son mineur lié est victime. Et puis le commissaire gouvernement a jugé bon que il n'y a pas quelqu'un de monsieur dans la prison parce que monsieur est victime déjà. Et son mineur qui parle de consentement, on prend plaisir pour mettre mineur ça dans un série de vie activité homosexuelle. Le commissaire a jugé fort qu'il veut monsieur Lacaille, il a brûlé Lacaille. Et pendant, la justice a fait travailler pour poursuivre
nèg qui gen habilité dans détourner ti moun dans violer ti moun comme ça qui moun qui t'ai consulté ou mon cher son déminulité son déminu du pas gagner parent qui t'ai constitué mais moi étant que défenseur des droits humains et surtout défenseur ti moun yo même les ti moun qui dans la rue les noyé victimes nous pas qu'à quitter ça comme ça c'est pendant moi t'ai dans tribunal là m'ai fait d'office de avocat parce que c'est on laissé pour compte que lié. Donc dans ce sens, je fais d'office ma avocat. Il permet. Depuis notre commissaire tribunal Vialet, moi j'étais avocat jusqu'à là. Hier, après, c'est moi-même qui finis, qui bat les moyens pour le fonctionner, qui bat le corps, parce que si on laissé pour compte lié. D'ailleurs, la loi permet, les gens qui laissent pour compte, il faut que nous aider. L'hôpital, l'hôpital, certificat. Oui, l'hôpital, l'hôpital, il y a un certificat. Certificat, pas dans le même certificat, dans le dossier. Qui s'est révélé, certificat? Bon, monsieur, à faute que Massissian et Perforé, monsieur, bon, hémorroïde, tout cas fatigué. Mais bon, il s'est suite à ça, vous permettez que monsieur hémorroïde, là. Ok. Ok. Alors, nous allons dans le sous-commissariat, côté que le commissaire Elliot va procéder à la libération mineure. Là. Monsieur le commissaire, paquet de bois est saisi des dossiers? Oui, paquet de petits bois, il saisit des dossiers. Et bien, c'est dans le cadre de ça. Moi, je trouve dans le sous-commissariat de petits bois, non seulement moi, été informé de cas, et nous analyser le dossier et puis nous juger bon pour nous mettre mine ça d'ailleurs pour nous libérer. Et mais c'est ça qui marquait présence. Je dis dans le sous-commissariat, nous venons pour nous libérer mine ça. Ok, Nairobi Kader, 16 ans, il dit qu'il a perdu virginité. C'est une question d'homosexualité, pas vrai? Pour une question de 2500 gouttes. Qui suit pas capable de dossier ça? Comme nous toujours disons, il y a sacré l'opportunité de poursuivre. L'opportunité de poursuivre, le commissaire du gouvernement a gagné trois chemins, trois voies. Côté que le dossier, dès qu'il saisit de lui, pour lui orienter le dossier. Premier chemin. Soit il classe le dossier sans suite, soit il voit le dossier pas devant le tribunal correctionnel, ou bien il achemine le dossier par devant le cabinet d'instruction. Vu que en plein dossier, après analyse que nous-mêmes nous faisons au niveau du parquet de Petit Goave, le dossier, non seulement nous-mêmes n'a procédé à libération minéra, et nous-mêmes tout, nous avons acheminé le dossier par devant le cabinet d'instruction pour suivi. Non seulement ça, nous-mêmes tout au niveau parquet, nous faisons toute préparation, prise en charge pour mineurs sur le plan sanitaire ou bien sur la santé. Nous faisons tout préparatif. À la traque, papa. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, qui comprennent, c'est chaque jour que vous avez vu plus compliqué dans le pays d'Haïti. Gagné Jacques-Jacqueline Exantus. En pile moun konnen sou nou nèg epea ki kont tout fòs pou ke fòs milite tapi le sol haïtien. Li estime li tan pou komi note international la suspend pran peyi a en otage et pou système nan kapab krasé. Pou plis detay, an nou tande. Nou remarke ke premier ministre président Pierre Roy Ariel l'a fait des voyages de très souvent dans tout l'autre pays, CARICOM, la France, l'a engagé. C'est évident. Esclaves là, chaque côté au besoin, ils sont obligés de relever pour passer l'autre. Mais absolument, dis-nous, tout ça, yo cap fait là, c'est pipi chat que yo. C'est dernière agitation Ariel a fait. Et Ariel, pas pour longtemps côté lié, encore. Pas pour longtemps. Le 7 juillet prochain, Jovenel va gagner 2 ans. Et 2 ans, ça a cassé un grand contrat. Donc, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous que c'est la communauté internationale qui a convoqué monsieur, c'est Gutiérrez qui a déposé la CAELI dans l'aéroport, etc. Ça a relé pipi, chat. Gutiérrez entré ici. Gutiérrez s'est dit déjà, depuis 2 ans, il faut une intervention musclée de la communauté internationale. Côté nous dit, il a laissé baver
Gutiérrez a fait jeter dans Jolly. Et pas vrai, pas de bagaille comme ça. Rappelez-nous, environ 2 ans, je dit, Jean Maoué, un soldat international, l'ONU mettait pied sous épaisse, sous terre de Saline, m'a foutu. Je t'ai fait, hein. Nous songez ça. Je dit, m'a foutu, je t'ai fait. Ah, hein. Je t'ai pourquoi? Parce que ça, c'est pas jouette lié même. Jouette, pas gain, caca comme ça, et pas jouette lié. Je dit, m'a jeté. C'est parce que moi, connais. Pas qu'à gagner intervention sous Haïti encore. Police ou militaire, pas gagner bagaille comme ça. Gutiérrez qui vient dans le bout, tout ça l'a débat, bavé, l'a fait, j'en l'ai fait. Gutiérrez pas qu'à montrer, mais un grand soldat, il est rentré sur le territoire national. C'est jour pour le système de crasé à crivé. Moi, je dis ça très décisif. Je dis à ces trois liés, c'est blague Gutiérrez, ça ne va pas. Gutiérrez pas gagner le cas qu'il fait là encore. Nous mettons ça, monsieur, dit comme une déclaration. Tête, mon tête pas droite, parce que du coup, il ne reste pas comme ça. C'est mystique qui a fait, c'est invisible qui a dirigé pour Haïti, aller dans le destiné, où il reste fini. Par contre, quel rien qui a fait sous pays, ni assisté police nationale, parce que c'est États-Unis d'Amérique, Canada, France, avec Gutiérrez, l'ONU, qui mettent les âmes dans tout le monde, nous voyons là. Hein? Et puis, ils ont commencé par le haut, ils ont dit, il y a. C'est vrai? Et aux médias, c'est bien, pas comme ça. Des sanctions sous Brivère, sous Yuri. Mm-hmm. Ah, depuis que tu as des sanctions, tout bon, il faut que tout le monde dans prison immédiatement. Depuis que tu as des sanctions, pénitentiaire nationale, pour tout le monde est rentré. Parce que ouais, ça va pas fait comme ça, c'est dans l'ancien peine. Moi-même, moi, clair que ça, c'est blague, je même besoin d'éterniser. À la traque, vous l'avez caïté. Porte-parole, mot pod. Solution à problème insécurité a doit passer par un plan national pour encadrer jeunes dans quartier populaire. André Raphaël qualifié traître Premier ministre Ariel Henry qui continue à demander occupation pour le pays d'Haïti. Nous-mêmes nous croyons qu'il demande ça en fait plusieurs fois déjà et nous-mêmes en tant que patriotes, en tant que monde qui croit que je dis à problème pays a fait face là, surtout problème insécurité, hein, son problème qui est national, qui est lié, son problème qui a plusieurs dimensions, les sociales, les politiques, les économiques. C'est-à-dire, si pour nous bailler réponse à problème ça, c'est à travers une politique nationale, c'est à travers, je dirais, un plan national de développement, hein, qui pour permettre, je dis, à, sur le plan social, d'aller joindre, t'y messieurs, dans le quartier populaire, yo, qui pour permettre, yo, intégrer société, hein, y a pour un métier, y a l'école, yo, vin moun, en dans société, hein. Parce que je dis, hein, pour vin moun, en dans société, c'est à travers l'école, faut socialiser ou, faut que je dis à nous, redéfinir, en politique qui pourra permettre que tout le monde aille pas gain zam après 10 ans après 15 ans encore et ça fait nous croyons c'est pas une force étrangère qui va permettre nous résoudre problème ça me dit là yo c'est nous-mêmes à travers une politique de sécurité nationale qui pour permettre que je dis à nous résoudre problème que pays a fait face journée jodia. Pas de m'oublier, madame Nalim, ni t'es clair, li contribuer dans la fédération gang yo en dans pays, c'est-à-dire mon sa yo k'ap mande force jodia, un ben yo gen responsabilité yo tout dans sa k'ap passer en dans pays. Pouvoir il a non moment, li dit pas mande une force robuste entre en Haïti. Non l'autre moment, li renouveler et position ça encore. Et nous comprenons que c'est des traites que yo, c'est des congés que yo. Ça montre incapacité yo pour yo permettre que yo joue rôle yo en tant que responsable au niveau de l'État. Parce que l'État, li là pour mettre l'ordre dans les zones. Et ça fait nous croire que pour nous rétablir la paix en d'un pays, pour nous rétablir l'ordre en d'un pays, pour nous rétablir nos besoins, une nouvelle équipe qui est honnête, qui est crédible, qui a une vision qui est éclairée, qui comprennent l'État tout, qui vous permettent que, je dis à Sam Abdilayo, nous rétablir l'autorité de l'État, et puis, nous redéfinir nouvelles conditions de vie, peuple haïtien, parce que peuple haïtien pas vivre, dans un moment ça, depuis 2 ans Ariel Henry, dans tête pays, j'aime toujours dire, 2 ans Ariel Henry, mon cher, nous pas gain mot, moi t'as,
à la traque papa. Plusieurs organisations dans SID, tant que plateforme PDH, Force Peuple, Kojere Kos, eh bien, pour citer ça seulement, exprimer solidarité yo ak moun Léogan qui était victime dans inondation mouage qui saute passé à là. Audley Archil qui prend la parole dans nos organisations sa yo dénoncer gouvernement Ariel Henry qui pas prend aucune mesure prévention contre saison cyclone qui commençait depuis 1er juin pour arriver 30 novembre. Li dénoncé en même temps tout secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui dit qu'a supporté premier ministre Ariel Henry ensemble avec équipe li non yo cité dans assassinat ancien président Jovenel Moïse. Li était tout profité annoncer deux journées mobilisation 6 à 7 juillet qu'a vini dans occasion commémoration assassinat ancien président. Audley Archil a porté plus détail dans micro Jean-Vanel Soliman depuis Okay. Gouvernement Ariel Henry n'a pas gagné aucune prévention contre cyclone qui a commencé depuis 1er juin jusqu'à 30 novembre. Donc, jusqu'à présent, pas gagné aucune mesure qui prend. Secrétaire général ONI continue à supporter Ariel Henry et continue à supporter criminels kidnappés en d'un pays. Là, nous connaissons Ariel Henry avec l'équipe Lyo, nous avons cité la question de la mort ancien président. C'est président si là nous dit que faut que ça ait fini en deux pays. La population lui-même n'est pas continuer à supporter gang, marchand de drogue et voler en deux pays. Nous connaissons très bien qu'il y a une situation difficile. Pays aïe. C'est mauvaise gouvernance, faux promesses, insécurité, la misère, chômage, l'école pépin, faux éducation, pas gagner essayer, pas gagner une politique économique, pas gagner rien qui est capable d'utiliser le pays. Pas gagner rien qui marche de côté de l'État. Après de financer question gang là. Jusqu'à présent, nous parlons à côté de la sécurité passée. Notre transfert diaspora a voué par famille, amis, ménage dans le pays d'Haïti. L'État a entré dans le compte bon, il prend toute l'argent sa yo pour la payer ISO en dematissant, à payer la mort sans jour et tout à colite lio. N'a continué à demander justice pour le président Jovenel Moïse, n'est-ce que tuer la Kaili lâchement. Et jusqu'à présent, pas qu'on j'aime bien rien qui dit. Et nous garder le département d'État, mettons liste moun de yo. Comme moun ki la corruption, l'envoler l'argent PIA, l'en crasser l'argent PIA. Exemple, Laurent Lamotte, qui volait 60 millions de dollars pour Paul, nous dit, faut que ça finit. Et cette fois-ci, décision ça, l'est venu une fois pour toutes, pour nous retirer, éradiquer, bandit en de PIA. C'est une cité urgente qu'elle y est. Et c'est pour cela, ça nous dit que, 6-7 juillet, nous palpons les bétons une fois pour toutes, pour que nous renverser ce système-ci là, qui a continué à goudir population et peuple là. Je veux dire, nous assumer responsabilité nous, pour nous dire que le pays a les mêmes faut changer. C'est pour cela que nous-mêmes, plateforme BDH, force peuple là, pra, en balai tombe, la valeur s'en royale, et tout l'autre quartier populaire, yo, nous mettons tête nous ensemble pour nous renverser ce système-ci là. Nous pour aller jusqu'à la fin, nous pas faire violence, mais nous qui bébé tout, nous qui bébé la faire résistance. Et cette fois-ci, farine n'a vini dans l'autre sac. Nous dit, Antonio, moi regrette ça pour vous. Si vous continuez, supportez Ariel Henry, vacabon, voler en tête de pays. Nous dit quoi, groupe, dans l'école, quittez les Haïtiens pour destination. C'est Haïti. C'est Haïtien qui a libéré Haïti. C'est pas blanc qui a libéré rien pour nous là. Pas qu'il a sorti de là qu'il y a une transition départementale pour décentraliser l'État une fois. À la traque pour la vie Haïti. Quand nous sommes dans une transition départementale. Et transition coupée fâchée, transition à gauche à droite, quand c'est transition départementale. Salope pays, Centre démocratie et éducation participative CPDEP, eh bien, à travers projet cap appuyer processus électoral PAP organisé lundi 3 juillet dans cette opération Ijos Nord-Est, là une journée réflexion sur réforme électorale avec plusieurs organisations acteurs politiques et même société civile. Dans une interview li bay tak 509 responsable CPDEP PA qui c'est Esperancia Moïse porte explication sous objectif série activité si là y a réalisé dans tout pays pour capable mobiliser tout secteur sous ensemble proposition réforme dans système électoral là pour éviter contestation dans élection. Pour plus de détails, entendez Esperancia dans micro tax 509.
dans le cadre d'activité CPDEP. CPDEP qui se centre pour la promotion de la démocratie et de l'éducation participative. Je dis, nous venons participer dans le cadre d'activité que CPDEP a mené sur tout le territoire national. Dans le cadre d'un projet qui s'est projeté en appui au processus électoral qui s'est PAP. Nous travaillons sur un ensemble de propositions pour réformer le système électoral haïtien actuel. C'est notre objectif de réaliser une fois sur la parole. Alors, CPDEP, c'est un boîte qui travaille dans la gouvernance politique dans le domaine gouvernance. Donc, objectif là, c'est proposer, c'est mobiliser population, hein, c'est mobiliser tout secteur, yo, dans la société civile là, sous un ensemble de propositions de réformes pour capable permettre système électoral là, si nous voulons des élections non contestées, si nous voulons des élections côté violence électorale là, pas plus un sujet dans le cadre d'élections, yo. Donc, c'est peut-être ça, on a fait mobilisation autour de ensemble propositions ça, yo. Nous remarquons pendant si en sommation, tu as un pile débat qui t'a fait et ensemble de vos yeux, c'est là qui ça CPDEP va le faire avec vous exactement? CPDEP, c'est un groupe think tank qui travaille sur tout sujet concernant gouvernance dans le pays. Nous-mêmes, nous là, nous faisons propositions. Depuis 2022, nous avons fait des propositions. Rivé juste pour qu'on y a sur tout département dans le pays avec tout groupe. Nous rencontrer partis politiques, nous rencontrer groupe dans la société civile, organisation forme, nous rencontrer international dans tout. Dans la question ça, nous faisons proposition, c'est surtout dans l'idée que dans le prochain document électoral qui a bien pour venir, n'importe lequel a bien pour venir, que ensemble de problèmes nous soulever là-dedans, que nous capables de toucher, et groupe qui dans la société civile, partis politiques, même capables qui sensibiliser dans la question, capables de faire des propositions, capables d'essayer fait dépression, constitue un groupe de pression. Plusieurs associations, regroupements victimes, coopératives, levez voyaux pour dénoncer l'État haïtien qui pas jamais fait rien pour permettre victimes de récupérer l'argent qui a été déposé dans la coopérative depuis sous président Jean-Bertrand Aristide. Malgré la justice tranchée en faveur victimes, l'État refusait de remettre victimes l'argent qui a été investi dans l'initiative ça. Coordonnatrice femme victime coopérative qui c'est Rachel Fontchène aller plus loin pour dénoncer la cour d'appel qui exigeait victime yo pour yo déposer 1 million goud dans DGI pour permettre l'état faire suivi dossier ça pour dédommager victime coopérative yo. Rachel Fontchène tenant micro tax 609. L'en tap tande Jean dirigeant pays d'Haïti tap rele nou vinn prend 12% 11% par mois tout ti avwa nou dit ça nou gagne nou kouri mete nan coopérative parce que nous connaît que coopérative ka développe un pays nou ka prend exemple le Canada l'en ap gade nou fin pote tout kòb nou vinn nan coopérative c'est comme si son recensement l'état haïtien fait pour faire nous vinn nan coopérative et puis chaque moun al chita devant dirigeant coopérative ou bay l'argent l'en ap gade tout dirigeant l'en ap gade Gio Oliver qui a fait hôtel li fait tout affaire dans Canada l'en ap gade David Chéri qui gagne l'école li dans tout côté dans pays ya. Alors que li prend l'argent victime yo l'ap travail et puis moun yo même sak mouri pa ka enterré sak malade pa ka l'hôpital yo pa ka voye petit yo l'école yo appauvri moun yo lage moun yo non misère côté que yo pa capable ni monter ni descendre et l'état pa fait continuité l'en ap gade yo fait nous fait 7 voyages go naive dans coup d'appel en jugement soti en faveur nous vini encore dans cassation nous gagne c'est comme si yo mande nous 1 million de goud pour nous lever jugement pour nous bail DGI pour DGI capable ou l'état capable de vendre bien pour rembourser nous l'argent nous puisque on connaît nous perdit tout comme dans nos coopératives yo mande nous l'argent ça pour faire nous chita pour nous pas continuer bataille pour comme nous mais c'est bien compté mal calculé nous perdit l'argent nous n'a continuer goumen parce que nous gagne tout dossier nous là nous gagne dossier nous nommé maître Joël Denéris qui c'est avocat nous malgré pas décidé fait rien pour nous parce que nous perdit bien en Okaï tout bien yo Denéris c'est représentant direct cadet lié li connaît tout côté bien yo mais il pas décidé camper avec nous en tant qu'avocat tout dernièrement là nous sorti dans tribunal avec un monsieur qui kidnappé ici qui rele base des rivales li voye papier ban nous c'est maître Saint-Fa comme maître Saint-Fa c'est un avocat tout dans dossier nous maître Saint-Fa accompagner nous mais maître Denéris pas accepté pour l'accompagner nous ça veut dire nous laguer pour compte nous n'a goumé
comme c'est pas lui seulement qui est comme avocat, tout, tout l'autre avocat qui était dans le dossier, ils ont toujours été même gens, ils ont toujours décidé d'accompagner nous, et nous-mêmes n'a continué bataille, parce que nous avons un dossier nous avons un contrat nous yo, tout dossier nous yo là, nous pas baisser les bras. Victoire c'est pour mon capacité, n'a continué bataille. Journée aujourd'hui à nous pas ta quitter le passé sous silence pour nous pas dire rien, parce que nous connaît DJR et DJR, c'est une internationale coopérative. Journée aujourd'hui à li tomber week-end, nous même jeudi lundi hein, nous fait voir nous lever bien haut, toute société yo lever voir bien haut pour yo dire pas perdre corbio, yo pas bailler les gain dans bataille là. Victoire c'est pour mon capacité. C'est bien ça, pendant 7 ans, et puis, président, là, sous tabac, il n'y a pas jamais explication qui baille, sous l'argent. Mon pays, monsieur. L'argent Petro-Caribe boule, l'argent coopérative boule, tout le monde qui mange l'argent, là, il a gardé nous. Et puis, il y a pas de justice, il y a dit dans le pays d'Haïti. Coopérative, là, c'est une initiative qui est capable de développer l'économie pays d'Haïti. Jean sa fête dans plusieurs autres pays d'après coordonnateur général Rassemblement National Société Victime Coopérative Maître Areus Ronald qui profitait dénoncer ancienne directrice générale loterie l'État haïtien Margaret Fortuné qui était utilisé bataille victime coopérative pour joindre poste dans l'État dans gouvernement transition Jocelyn Brivet. Li dénoncer en même temps gouvernement qui passait dans tête pays qui pas prend aucune décision pour permettre victimes yo joindre justice à réparation. Société victime yo renouveler engagement yo pour yo continuer bataille pour forcer l'État haïtien dédommager victimes coopérative yo. Entendez Areus Ronald qui était dans micro Tax 609. C'est un complot qui est bien monté pour te finir avec l'économie peuple haïtien. Et là, nous perdons l'argent, nous, pas une personne qui jamais dit rien dans le dossier. Ça vient permettre que tout le monde décourage. Eh bien, nous voulons faire tout le monde qu'on est, coopérative là, c'est celle route qui peut développer Haïti. Même Jean Canada développé, même Jean Madagascar développé avec coopérative là. Donc, ces coopératives là, pas fini. Sous Boniface Tatotu, yote bayon ti apaisement dans l'argent, Margaret te prend 10%, oui. Sous chaque monde qui te touche un petit cob dans la commission. Nous, eh, bagay la. Coopérative, yote prend 10% sous capital côté déposé. Eh bien, sous quantité que commission de réparation te banoua, eh bien, Margaret Fortuné te prend 10% dans chaque société. M'pensez à partir de là, n'a pas comprendre. Comment que complot a été bien monté. Malheureusement, Margaret te prend, société victime coopérative pour te faire choix de bataille, li arrive dans la tête d'une grande institution qui c'est l'autre l'État haïtien. Pour te arriver dans l'autre l'État haïtien, c'est société victime coopérative qui te baille Margaret visibilité ça, et pour, et privé, te ka choisir comme directrice loterie l'État haïtien. Et là, elle est venue arriver en haut. Jugement que nous gagnons en cassation, côté que nous t'a dû bailler 1 million de gouttes comme caution pour jugement ça exécuter, eh bien, Margaret Fortuné était obligée à bailler comme avec privé 1 million de gouttes pour te participer, pour te faire élection qui te mené Jovenel au pouvoir. L'élection Boniface, la tortilla qui vient, bon, nous, René Préval comme deuxième version, eh bien, René Préval, pas jamais un dossier coopératif là. Yo vin ban nou bandi légal qui c'est Joseph Michel Matéli, li pas jamais un dossier coopératif là. Le Matéli finale, li bay monsieur privé qui était président transition, li pas jamais un dossier coopératif là. Li vin bay Jovenel Moïse, yo pas mayen dossier coopératif là. Pour montrer comment qu'ils ont banalisé, comment qu'ils ont traité dossier sans parents pauvres. Eh ben, nous voulons faire qu'on est nous encore vivants, nous encore là. Nous, c'est aux os, nous plier, nous pas casser et nous pas jamais casser. Les, nous t'as pas les Ariel là même. Ils parlent tout bagarre, malgré Canada prend sanction. Nous, ouais, États-Unis a prend sanction. C'est dommage à prend sanction. Contre moun, qui fait corruption, mais ils pas prend aucune mesure pour n'être ça que voler l'argent. Société victime coopérative yo, et jeune femme avec jeune garçon tout, qui fait capital yo, qui fait beyo. À la traka papa. Donc, depuis 1900 jamais, population haïtienne n'a pas suspend victime. Même si jounen jodi a autant de gon neg qui a la tête capotée revendication peuple la, mais pour qui pour ou.
immédiatement les joindre poste pal a bien passé et bien l'oublier qu'il applique télévé pour marol. Nous souhaitons justice faite, nous souhaitons moun sa yo qui te dépensé l'argent yo joindre l'argent yo et non seulement ça tout l'argent Petro-Caribéa qui fait chimé cochi nous gonfler 20 poignettes nous pour nous marer voler pour nous faire au travail pour l'argent. Pour cette information peuple haïtien n'a fait place ensemble avec sévère. Une autre fois, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Merci Foucault, n'a poursuivre avec information yo. Citoyens pas suspend chasser bandits malgré baisse fièvre mouvement bois calé entre samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023. Au moins 4 présumés bandits tués zone l'église Divine Miséricorde sur route qui menait meilleur la commune Pétionville. Malgré baisse significative zak représailles qui constaté dans localité qui dans zone commune Pétionville, notamment Forjac Métier, Greffin ak lot résident dans localité sa yo toujours a voyagé pour bandi pa vin simen la troublaille. Yo passé se mandé mise en place yon sous commissariat dans zone Greffin dans l'idée pour capable freiner zak bandi yo. Premier ministre Henri kite peyi en direction Trinité et Tobago bien bonné a yon le dit 3 juillet yon. Selon communiqué primature, chef gouvernement doit participer sur le 3 privé 5 juillet dans la 45e réunion régulière chef d'État ak gouvernement CARICOM. Selon primature, Ariel Henry en marge avec réunion ça a bien plusieurs rencontres bilatérales avec divers chefs d'État à gouvernement région. En absence Ariel Henry, reine pays a confié par ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert. Gagne rencontre qui était faite entre DGAIPNH, France LB avec secrétaire général adjointe aux affaires politiques ONU, Madame Rosemary Di Carlo. Directeur général AIPNH, France LB, te gen rencontre fructueuse avec secrétaire général adjointe affaires politiques ak consolidation. La paix ONU, Madame Rosemary Di Carlo. Pendant la rencontre, la qui était déroulée sous plusieurs points, parmi eux, situation sécuritaire pays d'Haïti. Arrivée éventuelle yon force multinationale en appui à PNH la, commandant chef France LBT accompagné avec membre au commandement, Madame Rosemary Di Carlo renouvelé engagement, organisation Nations Unies pour capable porter soutien et yon nan rétablissement la paix en Haïti. DGAI PNH la France LBT profité pour faire une présentation globale à l'état sécuritaire payant, résultat qui fait d'abord côté PNH dans lutte cap mené contre gang armé yo. Et puis défi yo rencontré nan instauration yon climat paix à travers pays. Nan fè rencontre ça, DGAIPNH la souligne importance renforcement capacité opérationnelle PNH la nan l'idée pour continuer lutter efficacement contre grand banditisme sous toute forme. Gen directeur logistique ONA Michel Saint-Fleur qui actuellement sous investigation direction centrale police judiciaire là pour présumé implication dans affaire kidnapping ak fraude plaque immatriculation. Selon Telegram 360, bureau a atteinte a bien convoqué Michel Saint-Fleur pour un interrogatoire qui prévoit fête jeudi mardi 4 juillet. Enquêteur soupçonné utilisation véhicule ONA en enlèvement avec mise en place faux plaque immatriculation. Accusation ça aussi révélé fondé capable sérieusement sale réputation ONA et puis ébranler confiance citoyen envers institution. Convocation Michel Saint-Fleur par bac a souligné gravité charge qui pesait contre lui-même en tant que directeur logistique responsabilité là on a considérable ça qui grande affaire puis préoccupante enquête qui menée par DCPJ gagne importance capitale et puis nécessité une approche rigoureuse pour capable établir la vérité. Cependant, l'important pour nous capable noter Michel Saint-Fleur bénéficier présomption innocence jusqu'à ce que culpabilité le prouvée. A fait ça, suivi attentivement par citoyen yo avec un professionnel logistique et puis assurance. Réponse à mesures concrètes yo aptan pour établir confiance et puis garantir un tel acte criminel par reproduit à l'avenir. J'en ai annoncé ça, gagne un bateau à autorité Tuken Kaikos intercepté avec 190 migrants haïtiens. Bateau en quitté en bois 40 pieds. 12.1 mètres qui t'a transporté 190 haïtiens, 141 garçons parmi eux, yon timoun et puis 49 femmes. Yo t'a arrêté puis yo remetté yo pour remettre par autorité immigration Zile Tuken Kaikos pour traitement selon communiqué publié par autorité yo.
région Caraïbes nan noa konnen yon augmentation en nombre bateau avec migrants qui a essayé accéder illégalement sous île Turken Kaikos ak Bahamas selon police île Turken Kaikos. Jusqu'à présent, 2023, 21 navires interceptés par patrouilleurs Royal Bahamas Defense Force avec plus passé 2600 migrants arrêtés à cause de proximité, y compris avec États-Unis et puis niveau via archipel Turken Kaikos, c'est une destination de choix pour un pile haïtien qui enquête yon vie meilleure. La prédirection département la Tibonite qui a fait face avec une sévère difficulté d'approvisionnement en carburant dernière semaine, ça yon. Selon information qui partagée par plusieurs entrepreneurs dans certaines villes, département la Tibonite fait face avec une sévère difficulté d'approvisionnement dans affaires gaz dernière semaine ça yo. Selon information qui partagée par plusieurs entrepreneurs, certaines villes le président association entrepreneur la Tibonite yo dit très préoccupé à cause situation ratée qui capable créer une atmosphère explosive avec insécurité qui gagne un canaran distributeur pétrolier obligé utiliser route alternative pour rendre dans département la Tibonite avec un trajet qui trop long, exigence pour péage gangyo qui contrôle divers axes routiers, coût carburant augmenté considérablement. Arrivé dans département, lien possible pour station service vendre produits pétroliers à rapport avec prix l'état fixé. D'après explication Pierre Robert Auguste qui pas écarté cependant possibilité que certains ladayo et a cherché faire gros profit. Ça qui posait problème approvisionnement, ces décisions sans concertation autorité locale pour demander essentiel pour capable vendre à prix officiel sans tenir compte difficulté qu'il y a avec insécurité sur route nationale. C'est l'équipe posée moun qui a arrêté pour vendre sur marché parallèle. Comme résultat, carburant qui était 850 gouttes passé à 1500 gouttes dans quelques zones d'après président. Situation ça capable de vin plus grave et capable provoquer drame sanglant si autorité yo pas fait de voix yo. Population qui déjà vivent une situation économique très précaire dans indifférence totale mettez en garde à président à Antibonite là. Face avec situation ça distributeur menacé pour pas commander ça qui a entraîné un arrêt total opération station service dans département. Face avec menace ripti total approvisionnement et puis arrêt total opérationnel station service association entrepreneur Tibonitio a te gen deux réunions sous distributeur produits pétroliers dans quatre réunions ça yo réaffirmé disposition pour alimenter marché et puis revendiquer légitimité pour que autorité yo garantie puis assurer libre circulation bien ak monde pendant y a débloquer route nationale là et puis mettez fin avec action bandi yo qui passe suspend kidnapper camion fait yo payer gros l'argent qui aggraver coût revient produire. Ça qui vient plus cher, ça qui rend difficile pour capable respecter tarif yo d'après un président association entrepreneur Tibonitio dans note de presse. En attendant que le gouvernement PNH réponde avec obligation pour assurer sécurité et public et puis protéger bien ak moun yo, gen arrangement provisoire qui concerté pour capable rendre disponible produits pétroliers sous marché ya pour éviter toute spéculation abusive et puis une situation financière désastreuse pour station service, toujours d'après Pierre Robert Auguste, président association. 2023, déjà il y a 6 mois qui écoulé. Qui ça qui gagne en termes de bilan? Premier bagay, nous capables de dire pour moi bilan qui marqué avec un pile mouvement, pile information sur le plan économique, goudan qui continue à renforcer en juin. Et puis inflation qui commençait à fonti baisser tout petit et inflation qui était augmentée dans le mois de mai. Indicateur majeur affiché performance inattendue pendant que Fonds monétaire international félicitait quasiment gouvernement haïtien pour effort ça. Signe résilience pays en système paiement avec virement Banque République d'Haïti en te connaît yon panne majeur qui était provoqué en pile la pérèse la caille citoyen yo. Juin tout c'était yon mois très politique après réunion au conseil transition mois de mai c'est en juin que tout acteur yo te chita sous question crise politique là dans yon même salle pour première fois pendant depuis deux l'année. C'était en Jamaïque mais important pour que malgré ça pas gen rien sérieux qui était sorti. Mois de juin, vice-présidente États-Unis d'Amérique a porté soutien par le premier ministre Ariel Henry. Chef Binuyan a fait même genre, directrice PAM et UNICEF a visité le pays et puis expert des Nations Unies pour les droits humains. À chaque rencontre internationale, il a reçu appui et puis encouragement. Deux ans après l'assassinat du président Jovenel Moïse, il y a un premier suspect qui est condamné dans le pays États-Unis pour capable passer toute ville dans la prison dans le commencement du mois de juin.
pendant que juge haïtien qui en charge dossier y a fait défiler bas en avant bas en arrière sous bureau li. Gen poursuite pour suspicion corruption qui fait tout. Si Canada t'a hésité pour engager concrètement moi juin, il était poursuivi avec politique sanction. Yo. Président comité sanction ONU était en passage en Haïti et puis il était préparé pour capable faire conclusion par le Conseil sécurité. N'a poursuivi avec information gen commissaire gouvernement Port-au-Prince Maître Edler Guillaume qui présentait Ayan le dit un bilan satisfaisant pour premier mois dans tête paquet. Commissaire gouvernement Port-au-Prince a affirmé qu'il te permet reprise audience correctionnelle pendant premier mois dans poste ça. 24 sièges correctionnels ont été réalisés. 48 dossiers étaient tendus, 51 moun étaient jugés, 68 moun étaient libérés parmi eux 42 dans audience correctionnelle ak 16 pendant visite qui étaient réalisées dans le commissariat selon bilan commissaire gouvernement en Port-au-Prince pour mois de juin 2023. 9 moun condamnés, 66 dossiers en état recevoir jugement pour assises criminelles sans assistance en jury, 26 sièges en matière civile réalisés, 67 dossiers classés sans suite, 56 réquisitoires informés rendus, 11 actes accusations rédigés avec 27 dossiers voués dans correctionnel. Maître Edler Guillaume a affirmé tout est favorisé, reprise permanence paquet et il te mette en place une commission dans l'idée pour reconstituer dossier qui vandalisé par un individu à examen dans l'ancien local paquet dans Bicentenaire. Des dispositions qui adoptées tout dans l'idée pour renforcer sécurité bâtiment qui logeait paquet qui était cambriolé à plusieurs reprises. Maître Edler Guillaume qui a fait plusieurs visites dans le commissariat avec ce commissariat prison civile Port-au-Prince, prison pour femmes accès à Micole, dans l'idée pour être capable d'évaluer la situation des détenus. Concernant les conditions infrahumaines des détenus, le parquet a réalisé nettoyage dans la prison civile Port-au-Prince. Toujours Maître Edler Guillaume. L'autre dossier dans le journal, là, nous parlons avec Daniel Syriac qui fait qu'on est. La situation insécurité a fait partie d'un plan international pour mettre le pays d'Haïti en bâtitelle. D'après porte-parole OPL, Daniel Syriac. Porte-voix OPL a rappelé pouvoir rejeter différents propositions pour résoudre le problème de sécurité. Il a campé en face mouvement Bois Kaléaté et qui n'a pas porté un SIATI qui t'a porté une partie dans la solution. Daniel Syriac fait connaître ses raisons internationales là pour les pays en farine à cause d'assistance militaire pendant la situation de sécurité. Toujours après un pire côté Daniel Syriac. Gagné de approche qui t'a capable d'attaquer l'insécurité telle que proposition que des experts en matière de sécurité fait déjà dans la société hein, et des groupes politiques de la société civile et des propositions que vous faites qui étaient capables de permettre à ce que nous combattent l'insécurité hein, que ce soit et dernière volonté qui s'est exprimée là par peuple à lui-même et aux côtés de la police nationale à travers mouvement Bois Kaléa. Donc, où est gouvernement, il fait tout ça capable pour lui casser tout mouvement ça. Et il pas attendre conseil personne. Donc, il est juste à diriger le pays dans un contexte politique de plutôt non l'aide, non là. Donc, ça veut dire, gang yo met continuer à violer les femmes tout partout dans le pays. Massacrer population hein, et kidnapper et tout ça moun gen comme bien dans pays a prendre contrôle territoire et côté pas gen libre circulation et puis gouvernement contenté lui-même pour le dresser constat que territoire ça c'est territoire perdu et eh bien tout ça prouve que programme nan donc c'est programme gouvernement lié donc son service public c'est ça gouvernement qu'a fait. Et c'est l'île vle fait. Et ce gouvernement, ça, international, l'a supporté. Donc, puisque son gouvernement qui gagne comme politique publique l'insécurité, le kidnapping, les massacres populaires, et puis, ou gagne Nations Unies jusqu'à présent, il fait comme s'il va comprendre ça, il plus collaboré avec le gouvernement pour aider le bay gangyo j'arrête, n'a pas songé Fédération gangyo t'est fait avec madame Lalim et CNDDR et puis n'a pas songé aussi toute tergiversation Nations Unies avec l'OEA les États-Unis comme premier tuteur gouvernement ça qu'il a avec Canada tout tourné en rond yo fait donc pour soi-disant offrir aide
à Haïti, mais au fond tout ça yo fait, toute action yo fait, ou senti c'est pour capable permettre à ce que chaos livin général en Haïti. Et c'est dans contexte ça pays Canada annoncé que l'étape mettait un bureau en République dominicaine pour coordonner aide soi-disant en matière de sécurité en Haïti. C'est République dominicaine qui pas d'accord, et puis avec un pile voix en Haïti telle que la voix de l'OPL qui dit non, bagay ça pas qu'a fait, parce que nous-mêmes nous comprenons très très bien. Donc l'idée pour Canada installer un bureau en République dominicaine pour ta coordonner aide et sous sécurité en Haïti, hein, li répond à une seule logique. C'est dans cadre faire chita pi bien projet de mettre Haïti sous tutelle là, parce que nous songeons et gros réunion qui était faite à l'échelle internationale et pour être capable de définir projet vision de mettre Haïti sous tutelle internationale là, c'est à Ottawa elle était faite, et c'était en 2002. Donc jodi à la nous à 21 ans de ça. Donc et ce projet ça, c'est après réunion ça co groupe là té créé en Haïti, et nous ouais bien qui travaille co groupe là fait ici, c'est fait toute salle capable pour conduire Haïti à la déstabilisation et au chaos politique, au chaos économique, et plus particulièrement fait situation pays a dégénéré en matière de sécurité. Maintenant toute ça international là lui-même l'a réglé là, c'est utiliser esclaves domestiques li gen yo et qui soi-disant premier ministre et ministre ici. Porte-parole OPL la Daniel Siriac a dénoncé un décret anti-terroriste gouvernement prend côté yo faire connait yo pral combattre zam destruction massive comme quoi ta gen modèle zam sa yo dans pays d'Haïti. C'est une stratégie pour provoquer international là envahi n'importe façon, d'après porte-voix OPL là qui précisait communauté internationale là t'est toujours intéressée par pays d'Haïti qui chargé à richesse minière. En côté une autre fois Daniel Siriac. M'a cité pour vous un instrument que pouvoir en place là, li même li offri pays impérialiste yo là pour yo capable mettre Haïti sous tutelle tout bon. Et c'est dans dernier décret que gouvernement ça li prend là, yon décret par exemple qui portait sous combat, sous lutte contre terroristes, et puis yo mette yon chapitre là dernier qui étonne yo di pour combattre et zame de destruction massive. Mais là yon gouvernement pour entrer dans législation yon principe, yon décret qui reconnaît Haïti gen zame de destruction massive. Ou konn ki sa fait là, c'est condition gouvernement réuni pour pays impérialiste yo, grande puissance yo décider n'importe qui moment yo ap vinn craser Haïti, yo ap vinn retirer la Haïti. Ça crée la voix au chapitre là pour haïtien. Pas gagné du tout encore, ça veut dire pour yo ba ou occupation totale là. Or, occupation totale ça, pas oublier que c'est nous haïtiens, c'est nous les nationaux, les patriotes qui gagnent intérêt pour nous combattre li. C'est pas des pays comme les États-Unis, c'est pas des pays comme le Canada, yo même qui chaque jour yo dormi, yo réveillé avec yon souci pour yo rentrer, pour yo gwen contrôle sol nous, contrôle territoire nous, pour exploiter les mines, les gisements d'or que nous gagnons, toute richesse naturelle que nous gagnons. Bon, sous ba yon prétexte que ou reconnaître que pays a gagné une arme de destruction massive, eh bien l'école lagé chemin libre pour yo. Eh bien, c'est là pour comprendre que pouvoir nous gagner là, gouvernement nous gagner là, son gouvernement qui pas gagne rien pour oué avec haïtien, son gouvernement qui au service de l'ennemi, qui au service des étrangers. Alors, nous pas connait qui ça étranger au fait pour Ariel Henry, nous pas connait qui ça au fait pour André Michel, nous pas connait qui ça au fait pour Edbon, qui fait que m'a parlé de Edmond Supplice Bozil, donc qui courait pouvoir ça, qui kembel la cap servi intérêt international là comme ça, qui fait que jusqu'à ce que pour pouvoir à l'aise pour l'alpha international là cadeau, OK, yon cadre légal pour le capable rentrer en Haïti, vin exterminer haïtien, j'enlever et puis pour prendre contrôle territoire. Donc nous-mêmes et au nom de l'OPL, nous te voulons dénoncer bagaille ça, et nous voulons le plus vite possible que décret ça
qui portait sous question de ZAM, destruction massive que yo publié a, faut décret ça rentrer parce que ça pas doué rentrer dans arsenal juridique non en Haïti. Haïti pas et dans affaire de ZAM destruction massive sans question de volonté politique qui pas gagné pour nous détruire gangio, pour nous détruire insécurité à Haïti, juste gagné problème de dirigeants. Donc son cadre politique nous besoin pour nous capable résoudre problème et insécurité à. Donc il suffit que et paria qui la yo yo pas là encore, c'est pas yo qui a dirigé pays à et solution problème insécurité à n'a besoin rapide. Mouvement point final, la mandé secrétaire général ONU a penché sous fonctionnement corps groupe qui a fait ingérence dans pays d'Haïti. Ulysse Jean Chenet rappelé pays ça au pas innocent dans pourrissement crise là dans pays. Dirigeant politique la mandé Antonio Guterres mettait crise haïtien dans les priorités. En côté Ulysse Jean Chenet pour plus de détails. Et du même coup, et nous mandé secrétaire général Nations Unies hein, pour lui pencher sur dossier fonctionnement corps groupe en Haïti et qui sont bagages qui c'est violation droit normes relatives au fonctionnement des diplomates en Haïti. C'est ça que fait pour nous autres au niveau du mouvement point final. Nous considérons le corps groupe comme un syndicat des diplomates malfaiteurs en Haïti et que yo même tout y a conspiré pour yo provoquer une guerre civile en dans pays hein, pour yo provoquer un génocide en d'un pays hein, sous l'obédience du Canada qui a viré en rond dans le dossier crise haïtienne nan. Et d'ailleurs nous pas capable oublier implication le Canada et dans la crise rwandaise avant génocide là et que nous ouais c'est même démarche ça yo que l'a réitéré en Haïti pour permettre que gagne une guerre civile en d'un pays hein, pour permettre un génocide en d'un pays hein, pour capable affaiblir souveraineté et pays d'Haïti et même pour capable finir avec question indépendance d'Haïti comme la première république nègre indépendante du monde et que dans sens ça nous mandé et secrétaire général Nations Unies monsieur Antonio Guterres pour lui pencher pour lui garder et fonctionnement et corps groupe pour garder fonctionnement diplomate surtout les diplomates des pays de l'Occident en Haïti vraiment qui a fait ce qu'on appelle des délits d'ingérence en dans pays d'Haïti et c'est une bagaille qui occasionnait crise ça que n'a connait jodia en dans pays et dans sens ça nous mandait avec secrétaire général Nations Unies en tout pour lui corriger fonctionnement binu en dans pays pour lui redresser relations binationales multinationales que nous gagnons avec d'autres pays membres des Nations Unies parce que Haïti est un pays membre fondateur des Nations Unies, li doit gen relation avec tout pays membre Nations Unies yo, mais des relations qui bien tissées, des relations qui respectent les normes internationales en matière de relations et diplomatiques. Et bien dans ce sens ça tout nous dit communauté internationale là tout, yo gen pour yo respecter ce qu'on appelle les principes de responsabilité et partagé en matière de protection des nations qui sont en difficulté et la nation haïtienne est vraiment en difficulté. La nation haïtienne est en état de crise sociale, crise humanitaire, crise économique, crise politique et même une crise diplomatique. Mouvement point final a profité visite à secrétaire général ONU en week-end passé pour renouveler plainte qui a été déposée. Ancien chef Binua Hélène Alim qui n'a dernier passager dans le pays a été encouragé. Fédération Gangyon, côté en l'autre fois, Ulysse Jean Chenet. Pour nous autres, au niveau du mouvement point final, pour l'organisation CIPDSH, le plus important dans la visite du secrétaire général des Nations Unies pour nous autres, c'est réitérer démarche ou bien reformuler lettre de plainte que nous avons déposée contre Madame Lalim, contre les autorités haïtiennes pour crimes contre l'humanité en Haïti de 2011 à aujourd'hui, parce que durant tout le règne du PHTK au pouvoir, yon nan bagay qui symbolisait et régime ça, c'est violation droit moun, c'est assassinat, c'est massacre, c'est crime financier.
et que dans ce sens ça, nous autres, au niveau du mouvement Point Final et de l'organisation CIPDSH qui a supporté souveraineté pays d'Haïtien et que nous profiter pour nous saisir visite secrétaire général Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour nous réitérer démarche, pour nous reformuler et plainte que nous t'ai déposé contre Madame Hélène Lalime, qui est représentant et secrétaire général Nations Unies à une certaine époque en Haïti, mais qui tout c'est ex-présidente Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, que y aurait les BINU, qui t'ai participé dans la mise en œuvre des fédérations des gangs armés en Haïti, qui donc qui était de connivence avec les gangs armés en Haïti. Et que dans ce sens ça, Mouvement Point Final, accès IPDSH et reformulé et l'aide de plainte que y ont été déposée contre Madame Lan et contre et autorité haïtienne qui de connivence avec les gangs armés qui n'ont rien fait pour résoudre la crise de l'insécurité en Haïti, qui n'ont rien fait et pour changer les conditions de vie de la population haïtienne, et que nous reformuler note de plainte que nous t'ai déposé contre entité Sayo pour crime contre l'humanité en Haïti. N'après tout, avec Daniel Sigak, mais fois ça, c'est son autre dossier. Pour parler au PL, la cause, c'est accusation assassinat Jovenel Moïse qui a pesé sous dos Ariel Henry qui la cause. Il voulait qu'il y ait pouvoir n'importe qui façon. Daniel Sigak a rappelé dialogue jamais avec Yotan, mais quand même, il y a un succès qui veut pouvoir payer un gain de cas. Il y a un grand changement avec un autre cas qui décide qu'il y ait un statu quo. Malgré payer un vin pidi, Daniel Sigak fait qu'on ait été accroché avec un pouvoir bicéphale avec un nouveau gouvernement consensus. On écoute l'autre fois Daniel Sigak. Même si rencontre ça pendant 3 jours, li pas sorti avec conclusion, yon accord, yon consensus national, genre que nous-mêmes nous souhaitons là, qui pour vin poter résolution à crise multidimensionnelle là, mais au moins gagner de bons pas qui fait à Jamaïque dans de bonnes directions. Dans la mesure où, désormais, maintenant qu'on y a là, bataille politique qui gagne, hein, les établit deux camps. Il y a le camp du statu quo qui gagne comme seul projet, c'est Kembe pouvoir, dans une logique de pito nous l'aide nous là. Gang yo met prend plus terrain, yo met fait plus massacre, yo met violer plus femmes, yo met tuer plus moun, yo met prend plus territoire, yo met détruire plus business. Yo met kidnappé plus moun, mais pas gen problème, nou ka vivre avec yo. Maintenant qu'on y a la seul argument pour voir les tenants du statu quo, c'est que ça qui est nécessaire là pour yo, c'est un remaniement cabinet ministériel nul. Donc c'est-à-dire pour yo gagner de nouveaux moun avec yo dans cadre Zafra politique là. Et puis tout, c'est bagay yo les HCTA, yo t'a besoin de mettre 2 moun en plus là dans le même cadre pour faire li yon structure pour capable renforcer Ariel Henry et dans cadre projet international là. Bien sûr, comme support pour continuer craser pays. De l'autre côté, gagne un autre projet, yon l'autre vision qui clairement définie par des compatriotes qui pas dans et logique statu quo avec Ariel Henry, qui pas dans gouvernement là, qui pas trouvé yon ni dans ça yo relé accord 11 septembre ni dans ça yo relé dans accord bidon 21 décembre qui pas dans et bagay saupoudrage HCT, ces compatriotes là qui a lutté pour que coûte que coûte nous et défini ensemble un consensus national qui pour résoudre crise multidimensionnelle là, yo quoi dur comme fer doit gagner une gouvernance bicéphale qui pour vin donc travaille sur les problèmes fondamentaux du pays, qui pour prendre les décisions nécessaires qui pour faire pays à diriger et puis pour pays à gouverner et pour gagner un premier ministre capable et responsable dans tête yon gouvernement. OK.
m'a souligné un bagage sur question gouvernance bicéphale la rate. Intérêt monsieur gagné pour la goumen semblait monsieur cementé c'est mourir pour le mourir sous pouvoir tant que l'état lâché tant que pour le taper permettre pays à bénéficier de un consensus qui pour venir et résoudre problème insécurité à problème kidnapping non mais qui combien raison qui cap expliquer ça en pile mon a posé question. Première raison qui explique ça, comme ça lié, c'est accusation Ariel Henry gagné sous dol dans assassinat Jovenel Moïse. Grève la redémarré dans centre hydroélectrique Pélig employé a réclamé 5 mois de salaire autorité ont promettre pendant premier levé campé. Gouvernement terre ici baillon seul mois sous 5 étapes tenté. Grève ça déjà gagné impact sur plateau central avec capital. Nous pour permettre tout côté Serge Bosquet porte-parole grévisio dans micro tac 509 pour plus de détails. Mais n'a rappelé pour tout le monde qui te connaît déjà jour qui était 19 avril 2023 te gon arrêt d'urgence qui était fait par employé central Peligio. Raison c'est parce que yo pas de supporter encore parce que après des 5 mois yo pas de jambe rivé payer nous et arrêt ça a été rivé fait après 25 jours blackout pays a te connaît. Le 12 mai 2023, centrale la terrivée pour le démarrer sous un trêve. Côté l'État te engagé, il était ba nous 2 mois, sous 5 mois. Mais à partir des paroles, ministre Travaux publics, là, c'est Rosemont Bradel, te dit, si nous pas de pitié pour la population, jusqu'à ce moment nous est là, centrale publique pas de démarrer. Raison, c'est parce que le ministre la te déclaré sous les ondes Radio Métropole avec journaliste Rendel Théodore. L'État négocie à plus haut niveau pour payer employé DH dans tout pays à 5 mois à rire salé. Et yo t'est arrivé ba nous. Yo t'est arrivé ba nous 2 mois. Comme nous-mêmes nous fait partie population, nous t'est obligé concerter entre nous, concerter avec tout l'autre employé EDH dans tout quatre pays à nous t'est jugé nécessaire pour Pélig te démarrer jusqu'à 12 avril là. Mais lorsque nous avons démarré sous trêve là, nous te dit comme ça. Si vous pas honoré tout engagement vous avez avec nous, vous pas continuer payer nous, employé central Pélig a fait arrêt de travail. Jodi à la nous voulons le clé dans tout, zoye tout le monde dans tout pays. Ce n'est pas employé Pélig qui coupe courant. C'est vrai. Employé Pélig yo te maintenu position yo et dans concertation te ensemble avec tout respect il y a tout côté gain EDH nous te wel nécessaire pour nous faire arrêt de travail plus que nous jeune occasion côté central là déclencher ça veut dire un déclenchement général automatiquement employé yo tout fait sacré arrêt de travail là nous voulons faire tout le monde dans pays a connait lundi nous fait arrêt de travail là ça veut dire tout le monde toujours rester dans poste yo nous toujours vinn travail parce que Pélig son côté qui sensible nous pas abandonner poste nous côté n'a tant moucher l'état à plus haut niveau pour venir négocier avec nous pour payer nous 6 mois arrière salaire nous et ensemble de l'autre problématique yo tel que fonds de pension nous qui dilapidé. Oui, pas actuellement oui, direction ça. Yo fait prélèvement sous yo prend comme assurance sous nous chaque mois. Oui, yo pas jambe voye la destination. Yo fait prélèvement au nas sous nous. Yo pas jambe voye la destination. Yo prend impôt sur le revenu pour nous. Yo pas jambe voye comme ça la destination sous tout ensemble des problématiques ça yo. Nous même jodi à la nous décider camper travail jusqu'à nouvel ordre. Gen coordonnateur Kazek Lagunavio content Renil qui dénoncé façon la police bat plusieurs citoyens dans 4e section type Palmi et puis mettait 10 feu sur 4 motocyclettes. La police fait intervention ça suite à clairement deux monde dans zone ça mercredi passé. Kazek la cour intervention s'il a de fait à un juge de paix pour éviter tout dégât ça en côté content Renil dans contact 509. Yon madame qui rivé décédé le moment qu'il est décédé information fait quoi que c'est Beaufil qui tue lui c'est Beaufil Raoul qui tue lui laisse ça avant que il était enterré population est levé et il était allé en prend Raoul pour que il était tout tuer Raoul tout donc Raoul lui-même il était venu sauver en bas main population il était allé prendre abri lui caipé
Harold François nan Tipalmis. Donc après quelques heures, moi était que Kazek yo te vinn faire parler de ça, moi te essayé informé pour me te connait qui côté monsieur Raoul Teye yon façon pour nous si nous te capable remettre avec la justice ça pas privé fait. Donc à 1h du matin, donc population débarqué côté que yo tué monsieur Raoul. Donc à 1h30 du matin, commissariat en Sagalé accompagné agent municipal yo débarqué dans zone là, yo bat en pile citoyen honnête et jeune et étudiant qui vivent en dans communauté. Donc dans sens ça, en pile la monsieur te kagoulé, yo pas arrivé identifier est-ce que c'est policier ou non. Donc la seule chose moun yo manifester mécontentement yo, population a manifesté mécontentement yo en vertu de ça qui passait. Donc deuxième bagay encore, moun yo te élevé que police yo élevé, y allé dans la cour en moi, les rivé yo fait DJ coucher, yo fait opérateur coucher et ceci même mettre en moi, yo rivé coucher. Ça que moi-même étant que casé que nous même nous te rivé reprocher c'est d'est-ce que gen en pile citoyen qui te vinn porter secours avec la famille qui était en deuil, je ne dis qui rivé victime en bas main à agent municipal et puis tout policier qui était là yo. Donc gen environ 4 motocyclettes qui brûlé qui pas supposé fait et population yo dénoncé yo fait connait que c'est agent policier plus agent municipal yo qui rivé brûlé 4 motocyclettes dans la mort dans la cour Tipalmis madame Gédéon Joly. Dans sens ça moi était que Kazek nous jugeait que si toutefois t'as gagné une telle opération, la police est supposée accompagner juge de paix et ici est greffier la police pour être capable de venir faire constat quoi côté que ont été tué monsieur a, et puis tu peux être capable faire famille lever le mettre là dans cimetière. Je ne veux dire ça pas trivé fait, c'est coup de bâton, hein, c'est coup de botte, c'est coup de chaise que population te recevoir en bas mais la police que nous-mêmes que Kazek nous reprocher action d'action ça yo les au passé concert au niveau section communale. Coordonnateur Kazek Lagonavio content réni la dénoncer arrestation Kazek Livenson Pierre lui dans 5e section Gomanga commune en Sagalé une arrestation illégale d'après coordonnateur qui critiquer la police qui passe suspend violer droit et li local yo en côté on l'autre fois content réni là pour plus détails. Et moi tant que Kazek m'a pas de problème avec ça parce que n'importe monde capable arrêter parce que pas de personne qui est au-dessus de la loi, c'est bien ça. Mais si m'a pas fait un zac, si m'a pas tué monde, m'a pas fusillé monde, m'a pas poudre, m'a pas dit poudre, m'a pas fait un zac qui sont zac flagrant, donc la difficile pour que yon policier, yon la police en soi débarqué pour que yon vienne arrêter de manière illégale. D'accord. Et deuxièmement, information fait quoi que c'est DDO et DCPJ qui mandé pour que yo arrêté Kazek Livenson et moi-même penser que arrestation c'est pas problème moi gagner avec arrestation de manière légale n'importe monde capable arrêter mais gon façon gon traitement que yo bail avec une autorité locale son geste humiliant qui lié et moi-même pas t'a jamais capable oser pour que moi pour que m't'a avancé. Ouais, pour que m't'arrive non phase côté que pour agent municipal pour la police a humilié yon Kazek hein y a humilié yon Kazek qui sont élus qui bay service avec yon population. Donc là ça par rapport avec traitement que nous Kazek la joine pas beaucoup de commissariat en Sagalé ça vinn permettre que Kazek yo pas gagne trop grande valeur devant reste société devant société que nous même n'a vu jeune aujourd'hui. Donc ça reproche Kazek là c'est comme quoi et gagner quelques monde qui ont été arrêté avec zam nan meyo information fait quoi que donc Kazek là zam ça Kazek là lui même il connait fonctionner avec yo tout c'est ça qui reproche Kazek là. Bon de toute façon me penser que si c'est juge de paix qui t'est tendé et Kazek là gagne certaines informations que nous même nous t'est capable gagner plus sûr mais moi ça qui me reprocher c'est d'est-ce que yo pas gagne un mandat arrestation nan mais yo pas gagne un mandat côté que t'a cherché Kazek Livenson pour te arrêter c'est à 6h du soir yo débarqué yo dit monsieur en accompagne yo pour
dresser procès verbal tout ça. Donc je ne dis pas où il veut procéder avec arrestation Kazek Levenson. Donc dans ce sens ça, nous même nous tous être Kazek qui vivent dans la société haïtienne là. Donc je pense que son mauvais signe qui est lié pour nous. S'il le faut, si la police a demandé que, si la justice a demandé pour tout Kazek démissionner dans le pays, il a préféré que vous demandez pour nous démissionner, pour nous laver mais nous, pour nous être comme simple citoyen dans la communauté. Parce que comme on pourrait dire que pour nous sommes élus, pour un agent municipal a dit mettez boudam là, pour un agent municipal a maltraité, on Kazek, monsieur, qui a bail service avec la population. Sur un espace de 8 jours, Commission nationale subvention pétrolière ciblée et bouclée, première phase, collecte données dans le département du pays. Environ 1500 machines déjà enregistrées dans le département, ça, d'après même qui présente dans le plan du mai, Sanson qui s'allie collaboration toute autorité, chauffeur, priorité, à propriété, machine, ni pour réussite, première phase, si là, syndicat, il s'en fait connaître, il a continué à faire travail par pour mettre le gouvernement devant fait accompli pour qu'il y ait promesse en face chauffeur. En côté du mai, Sanson. Même jour que nous-mêmes, nous dérivons dans le département pour nous faire campagne pour les données. Parce que nous connaissons bien, depuis le gouvernement a créé la commission mixte, représentation syndicale et transport avec le représentant de l'État. Donc, pour que nous soyons capables de garder, pour nous travailler dans une subvention ciblée et avec la population à travers le secteur transport public. Parce que nous connaissons des décisions qui ont été prises pour monter Gaza. Ça fait un peu de temps que nous avons été promettre pour accompagner la population à travers le secteur transport dans la subvention ciblée. C'était prendre temps pour dire atterrir. Mais maintenant, nous-mêmes, au niveau de commission, l'État haïtien est censé lancer une campagne collecte de données, qui c'est la première phase que nous avons lancée depuis lundi 26 juin, qui c'est lancé le programme ça, officiellement sur tout le pays. Mais nous-mêmes, au niveau de membres qui fait partie de la commission, ça, c'est une porte-parole de la commission nationale de subvention pétrolière ciblée. Donc, nous avons rendu dans le département NIP pour nous assurer le programme pour nous faire collecte de données. Nous pensons que première phase à son phase qui réussit, donc il y a bien pour nous rassembler toutes données pour nous rentrer porte au prêt avec vous, pour nous faire responsable dans le ministère de commerce, côté que secrétariat technique, commission ça va le travail sur vous pour que vous traitez et puis pour vous censurer, vous allez compagnie, pétrolière qui bien pour traiter données pour imprimer quatre là pour permettre que chauffeur dans le département ni pour bien à travers le pays, côté que vous bénéficiez de subventions. Donc c'est un travail qui est vraiment important, donc nous pensons que normalement, travail que nous capable la police Miragouane s'en est fait avec nous en collaboration, particulièrement. Le commissariat Miragouane, responsable Miragouane, et la police Miragouane et la police des fonds d'index. Donc, nous pensons que la collaboration est très important pour nous, donc ça qui facilite le travail. Nous, les Haïtiens, surtout, ensemble de pouvoirs, de pouvoir nous gagner là, qui n'est pas vraiment son pouvoir, qui est engagé dans le cadre de l'élection, qui est élu, mais le fait que nous-mêmes, au niveau des secteurs de transport, que nous-mêmes, nous pensons que son programme qui a été, nous avons toujours demandé au gouvernement pour respecter l'engagement qu'il a gagné à travers la population dans quatre programmes. Donc, ce qui fait que nous-mêmes, au niveau de la commission, que nous-mêmes, nous faisons tout le travail possible pour que nous-mêmes nous rendions, nous à mettre moyens, donc, qui est à la disponibilité de la commission, donc, nous essayons de faire travailler ça. Donc, nous-mêmes, nous avons toujours continué à prendre responsabilité, nous, jusqu'à ce que nous venions l'État qui est responsable et un gouvernement capable de reconnaître que la responsabilité est envers la population. Donc, nous pensons que ça va aller lui-même. Il n'est pas possible, mais une fois que la population est ouais, des gens qui ont sens de responsabilité dans quatre programmes, donc ils sont capables, au fur et à mesure, de comprendre. C'est parce que c'est manque de compréhension et système de l'État que nous avons qui fait la population par forme de méfiance. Même penser que nous-mêmes, nous continuons à accompagner la population, nous continuons à accompagner les transporteurs, parce que pas oublier que nous-mêmes, nous, dans le département, ni pour nous lancer le programme, pour que sachez rencontrer avec différents autorités dans le département, ça, qui soit responsable au niveau du ministère de la Justice, du parquet, le commissaire Muscadet, nous rencontrons avec le responsable du ministère du Commerce au niveau du département, nous rencontrons avec le secrétaire départemental de la police dans toute équipe responsable, nous rencontrons avec le délégué départemental, là, M. Morel, nous rencontrons avec différentes autorités dans le département qui vont nous en collaboration pour se permettre que le programme de lui-même d'arriver à bout. Donc, ces premières phases-là, nous pensons que et dans différents autres départements, nous avons l'autre commissaire qui est déplacé, qui continue à faire le même travail, nous avons un commissaire meilleur. Voilà, nous souhaitons que le programme avance et non seulement ça tout, que bon gens résultats nous capables de joindre à travers et bien programme si là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, moi dis vous merci parce que vous t'avez suivi avec attention. Merci pour fidélité ou avec patience. Merci ensemble avec Sévère. Merci ensemble avec chaque fanatique TAC 609 qui t'est connecté.
Déjà, moi souhaite vous passer une bonne journée et non seulement ça, tout n'a souhaité un joyeux anniversaire ensemble avec Sévère qui a fêté. Je dis à Sévère, ça fait combien d'années vous gagnez? En tout cas, n'a vinn sous dossier ça pita. Red branché, non pas monsieur Foucault. Moi pour aller m'a quitter ou n'a papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui est capable protéger ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bisous.